qu'à exempter de mesures saillon, ces machines qui ont plaque officielle, nouvelle plaque officielle là, qui ont couleur jaune, ces machines corps diplomatique, yo, ces machines corps consulaire. Yo. Nous connaissons, nous avons posé une question et machine policière. Même machine police pas gain droit, machine la police, machine PNH, pas gain droit circuler avec des vitres teintées. Le la police besoin circuler avec vitres teintées, la mettez sécurité dans le pays. Mesure ça, les concerne Premier ministre tout, qui a une machine privée, mais Premier ministre là, pour le sortir de la machine privée, vite là pour obliger clé pour tout le monde qui figure. Le besoin machine, la machine vite teintée, machine privée, bien entendu, la mettre sécurité dans le pays. Le valable tout pour toute munition, quel que soit ministre ou pas de droit circuler avec machine privée ou à vite teintée la donne. Parce que l'État ba ou yon machine qui gon plaque officielle la donne kap autorise ou lé avèl. Ministère intérieur, ministère de la défense, bureau secrétaire d'État à la sécurité publique là, la police nationale yo responsable pour faire appliquer mesures à yo à la lettre. Directeur général, avec tout l'autre directeur, concernant organisme autonome, concernant organisme déconcentré de l'État, ou a gagné sous responsabilité pour faire appliquer mesures à yo. La police n'est pas responsable pour détecter vite machine pour. Ou ap gagne pour détecter vite machine pour corps. Et si la police veut nous avec on machine vite tente, la gagne pour l'appliquer la loi contre ou même. Et maintenant des populations en temps pris font y souffrir. Nous connaissons des gens qui payaient pour yo tente vite machine yo. Nous conscients de ça. Mais, j'en situation y a, maringouin volo, pas qu'on ni mâle ni femelle, tant pris, font-ils souffrir. Parce que, plutôt la quoi, à la caillou, au lieu la quoi, à marcher devant porte, nous ne sérieux comme ça, dans le pays. Et guerre, les ministres n'ont pas là, mais en principe, nous là, suite à un conseil de gouvernement. Donc ça veut dire que même sous parole nous là, sous échantillon, tout ministre et tout secrétaire d'État, ils sont dehors. Nous saluons tout, la presse qui est présente, et les médias qui là, donc on est que ils pas le fond relais de toute information qui peut sortir là. Donc on est réseaux sociaux, il faut saluer tout, parce qu'ils sont très actifs. Presse écrite, presse parlée, presse télévisée. Nous saluons tous les téléspectateurs. Jeudi, c'est mercredi 3 mars 2021. Et faut me dire, le mois de mars, là, c'est un mois extrêmement riche. Et ce n'est pas seulement un événement politique, mais c'est aussi un mois très riche en événements culturels en général. Par exemple, si on prend le mois de mars, c'est le 8 mars, bientôt, c'est la journée mondiale des droits des femmes. Le 20 mars, pour ça qui vient en tête point, c'est le jour mondial de la francophonie. Nous connaissons une communauté qui est extrêmement importante dans le monde, et Haïti est partie prenante de cette grande communauté culturelle et linguistique qui s'appelle la francophonie. Le 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Le 29 mars, c'est un jour important pour la constitution haïtienne. Mais nous pas là à soi pour ça. À soi nous là suite à des mesures qui te prend récemment et qui était décidé par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui était accompagné à ce moment-là du Premier ministre, Joseph Jout, qui était accompagné tout de différents ministres, notamment le ministre intérieur, Mdewella, Défense, était là,
justice était là, secrétaire d'État à communication de Orlando à extrême gauche. Il y a un bon parti dans le gouvernement qui était là et une mesure qui te prend, un ensemble de mesures, une très mesure qui te prend. Suite à 13 mesures, ça, il y a un conseil de gouvernement qui souhaite réfléchir encore sur nécessité pour annoncer non à Soya mesures de manière solennelle et que désormais c'est une arme de combat que qui prend qui est décidée par le chef du gouvernement qui parle par les couignards nous parle céder la parole pour que nous combattent phénomène nous connaît qui préoccupe toute population, c'est le phénomène de l'insécurité. Premier ministre, j'ai l'honneur de vous céder le microphone. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, alors les deux secrétaires d'État à la communication et le secrétaire d'État à la sécurité publique, chers journalistes, merci d'être venus. Moi, là, pour annoncer des mesures que nous prenons. Un, des conseils SPN qui étaient faits en prélude à yon l'autre CSPN spécial qui était fait avec l'assistance du chef de l'État dans le ministère de la Justice. Et nous sommes dans un conseil de gouvernement là, m'a pral dicté qui mesure que nous prenons. C'est des mesures qui étaient que nous prenons dans le conseil des ministres. Première mesure là, tout gouvernement a décidé que conteneur qui a rentré dans le pays a passé par là avec des effets personnels, il y a bien pour recevoir seulement dans le port Port-au-Prince avec dans le port Cap-Haïtien. Désormais, le ministre de l'économie et de la finance est responsable pour faire appliquer mesures sérieuses. Deuxième mesure, là, c'est que toute machine teintée, machine vite, ça veut dire vite fumée, yo interdit ou yo roulé sur tout territoire public là à partir de samedi 6 mars. Quel que soit le monde, yo joint qu'a roulé avec une machine vite teintée, vite fumée. La police apprend mesure que la loi prévoit pour ça contre. Seule machine qui a exempté de mesure ça, c'est machine qui a une plaque officielle, nouvelle plaque officielle là, qui a une couleur jaune. C'est machine corps diplomatique, c'est machine corps consulaire. Yo. Nous connaissons, nous avons posé une question et machine police. Même machine police n'a pas de droit, machine la police, machine PNH, pas de droit circuler avec des vitres teintées. Le la police besoin circuler avec vitres teintées, la mettez sécurité dans le pays. Mesure ça, les concernés. Premier ministre Lantou, qui a une machine privée, mais Premier ministre là, pour le sortir de la machine privée, vite là pour obliger clé, pour tout le monde figure, le besoin machine, la machine vite teintée, machine privée bien entendu, la mettre sécurité dans le pays. Il est valable tout pour toute munition, quel que soit ministre. Ou pas de droit circuler avec machine privée ou à vite teinté la donne, parce que l'État ba ou yon machine qui gon plaque officielle la donne kap autorise ou roule avec. Ministère intérieur, ministère de la défense, bureau secrétaire d'État à la sécurité publique, là. La police nationale. Yo responsable
pour faire appliquer mesures à la lettre. Directeur général, avec tout l'autre directeur, concernant organisme autonome, concernant organisme déconcentré de l'État, ou a gagné sous responsabilité pour faire appliquer mesures à yo. La police n'est pas responsable pour détecter vite machine pour. Ou a gagné pour détecter vite machine pour corps. Et si la police veut nous avec une machine vite tente, la a gagné pour appliquer la loi contre ou même. Et maintenant, des populations en tant pris font souffrir. Nous connaissons les gens qui payait pour yon tete vite machine yon. Nous conscients de ça. Mais, j'en situation yon, marin gwa volo, pas kon ni mal ni femelle, tant pri, font y souffrir. Parce que, pito la quoi, à la kayo, ou yon la quoi, à marcher devant pot, moun sérieux comme ça, dans le pays. Son situation exceptionnelle, nous prenons des mesures exceptionnelles. C'est pour ça que nous avons demandé pour nous faire un petit souffrir, parce que son mesure temporaire, en attendant que nous mettions l'ordre avec sérénité dans le pays d'Haïti. Merci en paix.